Les retraités de la gendarmerie se sont réunis pour leur assemblée générale à l'hôtel de ville. C'était samedi 17 mars. Le président Bernard Chor a commencé cette réunion en évoquant les questions de baisse du pouvoir d'achat, des pensions de réversion, de la santé et des maisons de retraite. Hélas, il est rarement question des retraités et des personnes âgées, qui représentent tout de même 20% de la population, soit environ 14 millions de personnes. Et que l'on ne se berce pas d'illusions, quel que soit le prochain locataire de l'Élysée, il est à craindre que notre situation continuera à se dégrader.